Entre Dubaï et Singapour, Cavalia a dressé son gigantesque chapiteau à Bruxelles. La troupe québécoise y présente son spectacle jusqu'au 1er juin et a ouvert son écurie à EquiTV. Bonjour et bienvenue à Cavalia. Je suis Grégory Molina, le directeur équestre. Et puis aujourd'hui, nous allons essayer de vous faire visiter la belle et grande écurie de Cavalia. Alors l'écurie, c'est une cinquantaine de chevaux. On a 11 races qui sont différentes, avec des spécificités à chaque race. On a des chevaux plus, comme Renato ici, plus lourds pour pouvoir être vraiment porteurs, donc tout ce qui est voltige en rond. On a des chevaux un peu plus fins après, plus typiques dans le sang, plus sibériques pour pouvoir faire du dressage. Et puis après, on a des chevaux typiques américains pour pouvoir faire, tout simplement de ce qu'on appelle les quarter horse, là, d'essayer d'aller le plus vite possible sur un espace très réduit. Et c'est ce qui va nous représenter le plus, en tout cas la race qui va représenter le plus, le trick riding, la voltige en ligne. C'est sûr qu'on va plus demander à des chevaux type ibérique de pouvoir faire du dressage parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de capacité à faire ça. Renato, ils ont beaucoup de capacité à faire ça. Puis on travaille beaucoup avec des étalons aussi sur cette race-là qui fait que c'est des chevaux qui ont vraiment envie de se montrer, c'est des chevaux qui ont envie de jouer, des chevaux qui aiment le spectacle par-dessus tout. Alors ici, on est avec Tardon. Alors Tardon, c'est un petit cheval qui est donc destiné à plus le dressage. Mais comme on a dit déjà tout à l'heure, c'est que ce n'est pas que des chevaux qui font du dressage à proprement dit. C'est un cheval qui est capable de faire vol, bungee cave, en tout cas beaucoup de numéros où on a besoin de sensibilité. C'est un cheval qui est hyper avenant, hyper gentil, qui a envie de donner tout ce qu'il a à chaque fois. Et il finit par, du coup, de la diversité qu'il fait dans le show, il finit par être hyper content constamment. Donc c'est vraiment un cheval qui est hyper, hyper gentil et hyper friendly, comme on dit. Hein? Et puis vous voyez là, avec les grands, grands box qu'ils ont à Cavalia, et c'est ça qui est quand même assez intéressant aussi en tournée à Cavalia, c'est de pouvoir avoir des écuries qui ont des box aussi grands que si c'était des box en dur. Ça a l'air d'être assez confortable. La mascotte. Voilà, ça c'est notre ami Troubadour. Il ne suffit pas de passer beaucoup de temps et de faire des grandes prouesses techniques pour être les mascottes. Lui, il fait à peu près entre 3 et 10 secondes dans le show. Et c'est la partie... très souvent, c'est la partie préférée des spectateurs. Il a juste besoin de faire une ligne, mais alors il a fait tellement bien et c'est tellement cute que du coup, on est tous... On est tous dans l'émerveillement de voir le poney rentrer sur scène. Alors là, on est dans la sellerie. Alors la sellerie, donc, comme on peut le voir, avec des selles qui sont complètement différentes. On a des selles beaucoup classiques, de dressage classique. Donc ça, on achète des selles un petit peu suivant la forme du cheval. Et puis aussi qui correspond aussi à la taille du cavalier. Donc ça très classique. On a aussi quelques selles d'obstacles parce qu'on a aussi de l'obstacle pendant le show. Ça aussi des selles d'obstacles très classiques qu'on n'a pas besoin d'aller chercher. Par contre là où on commence à avoir de la spécificité, c'est dans les selles de trick riding de voltige en ligne. Donc dans voltige en ligne, nous avons les selles qui sont type plutôt cosaque, qui sont des selles beaucoup plus courtes, beaucoup plus légères avec un petit pommeau. Donc ça, c'est beaucoup plus pour la voltige cosaque. Et puis nous avons ici des selles plus américaines. Donc beaucoup plus larges, beaucoup plus longues, avec des poignées derrière. Et puis surtout un pommeau qui est beaucoup plus grand. Ça, c'est des types de selles qu'on utilise beaucoup plus dans le trick riding américain. Alors que ça, c'est des selles au départ qu'on utilise beaucoup plus sur de la voltige en cercle. C'est sûr qu'il y a des spécificités pour chaque. Il y a des selles qui sont plus pour garçons, des selles plus pour filles, avec bien sûr des straps partout pour essayer de tenir leurs jambes. Donc suivant les figures que tu fais, tu as la sangle, une sangle différente, une petite moumoute, etc. Donc c'est vraiment des trucs qui deviennent
qui deviennent des selles customisées à la fin, là, parce que c'est vraiment des trucs qui sont faits pour eux, pour leur morphologie et pour leur figure, pour la difficulté des figures. Alors, les écuries, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent à tous les jours. On a deux équipes qui sont complètement différentes. Une équipe du matin qui est plus là pour s'occuper de l'entretien des chevaux, de l'entretien des boxes et de tout ce qui se passe autour. La sortie au paddock également. Donc ça, ça leur prend une très très grosse partie. C'est les premiers arrivés le matin. Donc c'est pour moi presque les plus importants parce que c'est eux qui vont nous donner un peu le feedback de tout ça. Est-ce que le cheval est toujours content? Est-ce que le cheval a toujours les mêmes habitudes? Parce qu'on s'entend qu'à la fin, ça devient des habitudes comme dans toute écurie. On a un cheval qui va taper dans le box parce que c'est le cheval qui tape dans le box. On a celui qui va hennir parce que c'est celui qui va hennir. Donc et ça, j'ai besoin de ce retour-là moi tous les jours pour savoir si les chevaux sont toujours bien. Puis on a l'équipe du soir. L'équipe du soir, lui, est plus impliquée dans le show. Derrière lui, c'est des gens qui vont plutôt tresser, laver des chevaux. Ils vont pouvoir, on a besoin d'avoir un niveau équestre pour pouvoir rentrer à Cavalia dans ce poste-là parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui échauffent nos chevaux. Parce qu'on s'entend qu'on est souvent sur scène et on a besoin que les chevaux soient échauffés. Donc, le travail avec eux, c'est ça. C'est le lien entre finalement l'écurie, l'échauffement des chevaux et nous, qui allons performer sur le stage. Parmi ces personnes essentielles, il y a aussi au sein de l'écurie de Cavalia un maréchal ferrant et trois personnes dont le rôle est spécifiquement de prendre soin de la santé du cheval. Mon travail ici, c'est de faire en sorte que le cheval puisse bouger le plus souplement et le plus librement que possible et sans entrave. C'est des athlètes vraiment de haut niveau et la performance, bien sûr, comme tous les humains, ils ont besoin d'un peu d'aide et d'un peu de massage et de acupressure et de thérapie pour enlever les tensions. Et c'est pour ça que je suis là, pour les aider à les relaxer et faire en sorte qu'ils se sentent bien, ils peuvent bouger bien. Voilà. J'utilise une technique qui s'appelle Emmett Technique. Et le massage, c'est un massage suédois, qui est un massage qui va sur les muscles profondément. Et j'utilise aussi l'électrothérapie pour aider la circulation. Voilà. Ils ont l'air d'apprécier. Oui, bravo. Notre politique ici, c'est d'un cheval de 16 à 18 ans, on leur trouve une maison pour 18 ans, c'est grand maximum. On en a un ici qui a 18 ans et que ça y est, c'est sa dernière ville, il faut qu'il parte. Dès que les chevaux sont un petit peu... on commence à en avoir marre et on essaie vraiment d'aller jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des chevaux qui ont ça y est, sont blasés. On s'en sépare avant, et puis quand je dis qu'on s'en sépare avant, c'est qu'on les met à la retraite, on ne les remet pas au travail. C'est-à-dire quand on confie les chevaux, c'est des chevaux dans des belles familles où ils ont des grands prés, des copains aussi à l'intérieur, et c'est des gens où on confie les chevaux où ils peuvent monter le cheval, peuvent partir en balade, mais ils ne peuvent plus gagner d'argent avec le cheval. Donc plus de compétition et encore moins de spectacle. Parce que ça y est, le cheval, on a considéré nous à Cavalia qu'il était temps pour lui d'aller prendre du bon temps. C'est que c'était le moment d'aller prendre du bon temps. Equi TV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.